Radio Libertaire 89.5, La Voix 100 mètres, l'invité quotidien. Bonsoir. Eh bien, l'invité quotidien ce soir, c'est Henri Laborie. Bonsoir Henri Laborie. Bonsoir. Nous sommes convenus avec Henri Laborie d'une série d'émissions, un peu plus qu'il ne l'avait prévu lui apparemment, mais je crois qu'il se plie de bon gré à ce qu'il s'est décidé. Oui, je n'ai pas fait attention surtout. Vous m'avez fait un prix de gros. Et... et donc, pendant quatre invités quotidiens, quatre mercredis consécutifs, nous recevrons Henri Laborie. Ça se conclura, pour ce qui le concerne, lui, par le lundi 12 novembre, où il sera traité de la colombe assassinée. Alors voilà, on a prévu un schéma de travail qui est un petit peu artificiel, faut bien le dire, qui représentera pour chaque série d'émissions une de vos œuvres dites de généralisation. Et ce soir, on va démarrer par L'homme et la ville. C'est la première de vos œuvres de généralisation sur le plan chronologique. Non. J'avais commencé en 63. Mais ça n'a pas eu gros succès à l'époque. C'était Du soleil à l'homme. Le titre était joli. Puis j'ai continué en 68, où j'ai publié, avant le mai 68 d'ailleurs, Biologie et structure, et puis ensuite il y a eu en 69 L'homme imaginant, l'agressivité détournée, etc. Et finalement, L'homme et la ville n'est arrivé qu'en 71 ou 72, je crois. Voilà, donc on aura L'homme et la ville, on aura mercredi prochain La nouvelle grille, puis voilà. Éloge de la fuite, Copernic n'y a pas changé grand-chose, et on terminerait par La colombe assassinée, le dernier qui vient de paraître. Alors, L'homme et la ville, par correction, on signalera qu'il a été édité chez Flammarion, ce qui nous rapporte pourtant pas un centime. L'homme et la ville et les autres ouvrages s'interpénètrent totalement, Henri Laborie. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'apport que je peux faire aux sciences dites humaines viennent des connaissances que j'ai pu accumuler dans mon métier, dans ma profession, en 30 ans, sur le fonctionnement du cerveau humain. Et j'ai pénétré là sur la pointe des pieds, mais un peu en iconoclaste, par rapport aux idées classiques dans psychologie, sociologie, économie et politique. Alors, effectivement, je forçais toujours de revenir au fonctionnement cérébral pour expliquer les sciences humaines. Et dans le dernier, vous l'avez cité tout à l'heure, La colombe assassinée, je dis, si vraiment vous êtes le fidèle lecteur, et si vous avez l'impression de tout connaître sur la biologie du comportement, commencez tout de suite à la page 83, parce que... Et je suis passé, il y a plus d'un an, quand il est sorti, un an et demi maintenant, je suis passé à la radio, et... comment s'appelle ça ne fait rien... Et il y a un auditeur qui a appelé en disant, demandé, puisqu'il y avait le contact avec les auditeurs, en disant à M. Laborie ce que je dois faire, parce que j'avais lu, moi, tout ce qu'il a dit jusqu'à la page 83. Alors j'ai commencé à la page 83, mais qu'est-ce qui va me rembourser? Alors j'étais forcé de lui dire, écoutez, vous prenez le nombre de pages du livre, vous divisez par ce nombre de pages du livre le prix de votre achat et puis vous multipliez par 83 et là je vous rembourserai, mais ne répondez pas trop là, l'idée, parce que sans ça m'en reviendrait cher. Plus qu'une boutade, c'est sans doute une assez belle illustration de ce que l'on retrouve dans vos livres, puisque vous m'arrêtez si j'abuse. Non, vous n'abuserez jamais, ça soyez sans crainte. Vous dénoncez tout au long et tout au cours de vos pages la société marchande. C'est vrai, oui, ben parce que je pense que l'homme a autre chose à faire que de vendre des marchandises, mais depuis pratiquement le début du néolithique, vrai, enfin, pas la fin de la dernière glaciation, depuis 5000 ans, et il ne vit qu'en vendant, et en échangeant d'abord, puis à partir des monnaies, il a vendu, et finalement on est dans un monde strictement marchand qui ne fait qu'une chose, que des marchandises. L'éducation est faite pour créer des producteurs de marchandises, tout autour de la marchandise. Alors, L'homme et la ville, c'est très simple en fait comme schéma de construction. Ça commence par un ABC de cybernétique sur 4 pages à peu près, 5 pages. Oui, d'accord. Et ça se poursuit, le reste de l'ouvrage se poursuit sur ces bases de cybernétique, sur cet ABC, le schéma. Comment, pourquoi ce schéma-là?
Ben, simplement parce que d'abord depuis 51, j'ai été très séduit par ce qu'on appelait la cybernétique, si vous voulez. J'en trouvais au niveau de la molécule, j'en trouvais au niveau des cellules, des organes, je trouvais des mécanismes cybernétiques un peu partout. Et ça donc, si vous voulez, c'est une méthodologie de pensée. Ça ne veut pas dire que ça soit la vérité, c'est un moyen d'approche de la petite portion du réel qu'on peut abstraire. C'est un outil de travail. C'est un outil, oui, c'est un outil de travail. Mais c'est quoi quand même la cybernétique ? La définition, c'est l'art de gouverner. Je pense que dans une radio libertaire, le gouvernement n'est pas quelque chose vraiment. Qu'il faut... Ouais, bon, ben, mais c'est pas le machiavélisme. Si vous voulez, c'est simple. Toute chose qui fait quelque chose, qui agit, à ce qu'on appelle un effet. Bien, une voiture, ça roule. Son effet, c'est de rouler. Mais pour rouler, il faut des facteurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'essence, c'est un premier facteur, vous n'avez pas d'essence dans votre réservoir, vous ne roulerez pas. Mais dans un système régulé, ce qu'on appelle un système régulé, par un feedback, une rétroaction, la valeur de l'effet contrôle la valeur du facteur. C'est-à-dire que plus l'effet augmente, plus la valeur de l'effet augmente, plus la rétroaction va diminuer l'importance du facteur. Comme si, dans une voiture dont je parlais, je prends cet exemple, mais il vaudrait mieux prendre celui d'un bain-marie. À partir du moment où vous avez réglé pour 37 degrés votre bain-marie, s'il y a 37,5, ça s'arrête, le courant s'arrête de passer. S'il y a 36,5, il s'en met en marche et vous restez autour de 37 degrés. C'est ça, c'est un système régulé. Il y a un contrôle de là, le facteur, c'est le courant électrique qui passe dans la résistance chauffante. C'est le contrôle du facteur par l'effet. Or, vous trouvez ça partout. Mais j'ai insisté justement dans ce chapitre de cybernétique. Ça, c'est de la banalité, vous trouvez ça dans France Dimanche, la semaine de Suzette et autres... Gazette, oui. L'important, c'est que quand vous faites de la biologie, c'est ce qui m'est arrivé, vous constatez que ces régulateurs que vous trouvez partout, tout est régulé, une cellule est régulée, un organe est régulé, un système est régulé, tout, votre pression artérielle se maintient autour de 14,8 par exemple, et ça c'est régulé. Tout est régulé, avec des réactions comme celles que je viens de décrire. Or en fait, ce qui m'a semblé important, c'est que chaque niveau, ce que j'ai appelé niveau d'organisation, de la molécule jusqu'aux sociétés humaines, et on arrive à l'homme et la ville, sont faits de systèmes régulés qui sont commandés par l'extérieur du système. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'un système régulé, le bain-marie qui maintient l'eau à 37 degrés. C'est bien gentil seulement. Si vous avez besoin, dans un laboratoire, ça s'introduit, votre système régulé, votre bain-marie, ça s'introduit dans une chaîne d'expérimentation. Vous aurez besoin, à un moment donné, d'eau à 37 degrés, mais 10 minutes après, d'eau à 25, ou 12, ou 60. Vous viendrez de l'extérieur du système, changer le niveau de la régulation. Or, chaque niveau d'organisation, molécule, cellule, organe, système, reçoit sa commande extérieure au système qui règle son niveau, auquel le feedback a fonctionné, de l'extérieur du système qui l'englobe. Si bien qu'un individu reçoit ses commandes, ses informations de fonctionnement de son environnement social, et aussi géoclimatique, etc. Et si on n'a pas cette idée-là dans la tête, on ne peut pas mettre d'ordre dans les faits horriblement complexes qui s'offrent à nous. Ce n'est pas possible. Mais quand vous avez compris ça, vous ne prenez jamais un sous-ensemble pour un ensemble dans lequel il est englobé. Mais si vous voulez, pour me faire encore comprendre mieux, tout spécialiste coupe la commande extérieure au système. Il isole un effet. Il isole un effecteur. Il y aura un groupe de molécules qui est ce qu'on appelle dans une réaction enzymatique. Il y aura des cellules. D'un tissu. Il isolera un tissu de l'organe, il isolera un organe, un foie, un rein, etc. Il isolera un système, il étudiera le système cardiovasculaire, le système nerveux, etc.
Et puis il isolera l'individu qu'il verra dans un espace qui est dont les caractéristiques sont climatisées, dirais-je. Bon. Il le sépare du système qui l'englobe. Et il croit tout savoir à partir du moment où il l'a isolé, où il ne peut pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement, quelle que soit notre discipline, sciences humaines ou sciences biologiques ou même sciences physiques. On ne peut pas faire autrement parce que les facteurs dont je parlais tout à l'heure sont tellement nombreux que pour savoir comment ils agissent sur l'effecteur pour produire un effet, il faut en faire varier la valeur. Est-ce que c'est clair? Pas très. Non. Alors, si j'ai bien compris, pour lutter contre l'aveuglement qui nous est propre à tous, quel que soit notre niveau d'action, il faut une approche interdisciplinaire. Globale. Globale. Mais alors comment? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment de notre histoire, l'histoire humaine, essayer de connaître le plus de concepts possibles, de façon à pouvoir les intégrer les uns dans les autres par niveau d'organisation. Un individu n'existe pas que c'est un être social, qu'il est dans un groupe humain. Ce groupe humain est lui-même dans un groupe humain qui l'englobe, qui lui-même est dans un autre groupe humain qu'on appellera l'État ou la nation, ou l'État, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ou cet État sera dans un bloc d'État, ce bloc d'État finalement sera sur la planète et il fera partie de l'espèce humaine. Et tout acte humain, je l'ai écrit l'autre jour dans Le Monde parce que c'est une idée très pour moi très fondamentale, tout acte humain qui est fait pour l'individu seul, qui a la même finalité que l'espèce finalement, survivre, ou pour un sous-groupe humain, est forcément un acte inhumain. Il faut que pour un acte humain soit humain, il soit valable pour l'individu et l'espèce à la fois. Sans quoi, on va forcément à une erreur. Radio oui. Libertaire 89.5, l'invité quotidien avec Henri Laborie. Oui, je voudrais dire deux mots. Je voudrais que vos auditeurs me pardonnent d'avoir peut-être été un peu abscons. En fait, il faudrait un tableau pour le faire et pour décrire ce que je viens de dire. Et ils le trouveront dans L'Homme et la vie, les dessins qui rendent très simple ce que je viens de dire. Et les schémas, très oui, compliqués. Oui. D'accord. Ce sont quand même des bases un petit peu nécessaires. Vous l'avez dit hors antenne, c'est ce qu'il y a de plus difficile, sans doute. Oui. Et c'est les bases quand même élémentaires pour pouvoir suivre un peu la suite. Henri Laborie, il y a un symposium, SIC, vient de se tenir à Paris le week-end dernier, je crois, représentant les 26 métropoles, grandes métropoles, de cette planète et ce qui s'interrogeait sur la ville de demain. Bien sûr, c'était Chirac et Paul Quillès qui s'en occupaient quant à l'organisation et donc représentant une population de plus de 400 millions d'habitants. Alors il y a quelques grands traits qui en sont ressortis, mais je crois qu'on les connaissait. Il y a un glissement géographique des très grandes villes qui sont désormais beaucoup plus nombreuses dans le tiers-monde. Les métropoles occidentales ont stabilisé leur croissance dans les années 60. En revanche, les métropoles du Sud continueront à se développer jusqu'au début du troisième millénaire. On serait presque tenté de rajouter peut-être, parce que c'est quand même pas... Alors la forte augmentation de la population mondiale, multipliée par 4 de 1900 à l'an 2000, la population urbaine sera en effet multipliée par 16 pendant la même période. Il y avait quatre axes de réflexion, la démographie, l'économie, les transports et les cadres de vie. Mais alors, et ça va paraître sans doute un peu dérisoire par rapport à ce que vous venez déjà de dire et par rapport à ce que l'on va développer, ce que vous allez développer dans cette émission et les autres, les transports, il s'est agi de s'intéresser à l'impact du train à grande vitesse. Quant au cadre de vie, c'est la protection du patrimoine urbain. Oui, la première chose que je dirais là-dessus... Bien que dans toutes ces émissions que vous prêtez, je ne détiens pas la vérité, je dis simplement mon opinion, c'en est une parmi bien d'autres. Et une chose qui m'étonne, c'est ce que m'a appris mon métier, à savoir qu'on ne peut pas prévoir, on ne fait pas de la prospective. J'étais ami de Gaston Berger et de ses successeurs, le Gros et les autres. J'étais très enthousiaste par la prospective. On imagine un tableau, un scénario, on essaie de le réaliser. Seulement, c'est ce que nous faisons tous les jours au laboratoire.
on imagine ce qu'on appelle une hypothèse de travail, puis on essaie de voir si elle va se réaliser. Pas de chance, dès qu'on se met, ce que nous appelons la paillasse, c'est-à-dire la table d'expérimentation, il sort des faits nouveaux, et ces faits nouveaux transforment complètement l'hypothèse de travail du début. Et déjà, le programme, un programme en lui-même, est quelque chose qui pour moi est absurde, parce que il faut la recherche. Et l'évolution d'une pensée humaine et d'une société se fait en tenant la queue, en suivant, vous savez, si elle va à droite ou si elle va à gauche, où elle vous entraîne. Or, la prévision de ce qui va se passer dans l'an 3000, à partir de ce que nous savons aujourd'hui, me semble quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà bien difficile de se représenter comment les hommes vivaient il y a 3000 ans. Bon. Et même il y a 1500 ans. Et même il y a 500 ans. On fait l'histoire, mais on n'était pas dans la peau des gens qui vivaient à ce moment-là, donc ils avaient une conception complètement différente du monde que nous ne pouvons plus avoir, c'est fini. Alors, la projection dans l'avenir me semble quelque chose d'extraordinairement suspect. Oui, mais enfin, vous n'êtes qu'un chercheur de renom, Henri Laborie, tandis que Jacques Chirac, lui... Alors, revenons-en à cette organisation de la cité, le pourquoi de la cité tel que vous avez commencé à le définir auparavant. Vous nous avez parlé de cybernétique, de son ABC. Ce schéma-là vous suit tout au long de l'explication que vous apportez. Dans tout le livre, oui. Oui, de la cité. Oui, très simple. Bon. Je vais vous raconter une petite histoire d'abord. J'avais l'habitude de dire au moment où j'écrivais ce bouquin, je ne l'ai peut-être pas mis dans ce livre d'ailleurs, mais je peux le dire maintenant, qu'une huître ne peut faire qu'une coquille d'huître et un escargot qu'une coquille d'escargot. Vous ne verrez jamais une huître dans une coquille d'escargot et inversement. Bon. Ce qui veut dire que la ville, et c'est ça fondamentalement l'essentiel du livre, une ville n'est pas un organisme, c'est une sécrétion comme la coquille d'huître d'un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui fait la ville. Enfin, un homme, il faut un groupe d'hommes pour la faire. Or, ce groupe d'hommes, cet organisme vivant qui est la société qui va construire la ville, qui va aménager la ville en plus ou moins longtemps, elle a une structure, il a une structure lui-même, ce groupe social a une structure. Depuis le néolithique, ça a toujours été une structure hiérarchique de dominance. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et je dirai pourquoi. Ça n'a pas été autrement. Ça pourrait être autrement. À partir du moment où on le sait, et on sait pourquoi ça a été comme ça. Bien, mais ça, c'est pas le problème aujourd'hui. Donc, cette société va construire une ville. Mais c'est un effecteur. Je parlais d'effecteur tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un agent, qui va agir en faisant une ville. Elle va le faire pourquoi ? Pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle ait des facteurs. Et d'abord, un espace géoclimatique. Vous ne ferez pas la même ville sur un piton rocheux comme les villes moyenâgeuses, ou sur dans une plaine, ou à Sime Saoud. Bon. Parce que l'espace géoclimatique est différent. Les villes au bord de la mer n'ont pas la même... Les gens qui vivent là ne font pas la même ville au bord de la mer qu'en montagne. Bien. Il y a les besoins qui seront différents, suivant l'espace géoclimatique, déjà. Et qui vont être commandés par ces besoins par maintenant, par tous les besoins acquis, ce qu'on vous apprend nécessaire à votre bonheur. Et puis les informations. Ces informations régissent sur les besoins. Donc voilà les facteurs, trois principaux facteurs, dans lesquels vous pouvez les faire tous entrer, tous les facteurs multiples, innombrables, qui vont commander à cette société l'espace géoclimatique, les informations et les besoins. Mais cette ville va avoir comme effet de maintenir la structure du groupe social, de la conserver telle qu'elle est, surtout pas la changer. Bien. Tout être vivant essaie de conserver sa structure. Or, cet effet, la ville, va réagir sur l'espace géoclimatique, on s'en aperçoit, sur les besoins, par les réclames, tout ce que vous voudrez, bon, et surtout les masses médias qu'elle va propager, et sur les informations. Donc, voilà un système régulé qui ne peut pas changer et qui est emprisonné, sclérosé dans ce fait qu'il est régulé. Quand on ne le sait pas, on voit les facteurs séparément,
on voit les faits, villes, séparées du groupe social. Alors, là, il y a une chose amusante. Et donc, j'ai cru, je crois encore que dans nos sociétés, c'est la société qui fait la ville. Et puis, j'ai été nommé il y a quelques années, il y a une douzaine d'années maintenant, rapporteur de l'Association mondiale de psychiatrie qui tenait son congrès à Tahiti. Et le sujet du congrès, c'était les maladies mentales dans le Pacifique Sud, en rapport avec l'urbanisation, le tourisme et l'industrialisation. Alors on m'a payé un voyage d'un mois et demi pour visiter les principales îles du Pacifique Sud, Fidji, Samoa de l'Ouest, Samoa américaine, l'Île Futuna et la Polynésie française. Là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai découvert un autre comportement humain que celui qu'on nous dit être en rapport avec les sens de l'homme. Bien. Et bien, bonjour, je suis arrivé au Samoa de l'Ouest. J'ai trouvé comme d'habitude le directeur de l'hôpital. Quid des maladies mentales? Qu'est-ce que vous avez? Ah non, on n'en a pas, bon. Mais bon, on discute le coup, on commence à en voir, bon, on pourra en parler une autre fois. Et puis il me dit, écoutez, si vous voulez connaître l'île, c'est facile, j'ai 3-4 typhoïdes dans le sud de l'île, on voit une mission épidémiologique avec un médecin et deux infirmiers dans une jeep, prenez la jeep, vous verrez en 48 heures, vous verrez l'île. Bien, alors on arrive dans une espèce, je ne dirais pas hameau, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un groupe humain, et je me balade pendant qu'ils faisaient leur mission épidémiologique. Et je vois que les maisons étaient avec un petit plancher surélevé pour éviter les petits rongeurs la nuit, la natte inondée dessus, et un toit en cône, un trou au centre, le foyer au centre, pas de mur. Bon, alors je regarde ça avec étonnement, et puis les gens étaient là. Et déjeuner, je me réunis avec les gens de la mission épidémiologique, les deux infirmiers et le médecin, et un pasteur qui faisait sa tournée. Alors je dis au pasteur, bah écoutez, ça ne doit pas être rigolo pour vous, parce que faire introduire la religion catholique ou judéo-chrétienne, puisque c'est un pasteur, dans ce type de civilisation, ça pourrait être commode. Donc, vous savez, on a fait un peu comme les prêtres catholiques au début de la christianisation de la Bretagne, on a adapté un peu la théorie et la pratique. Bien. Puis il dit, on a eu beaucoup de chance. Alors écoutez, ça, c'est ça qui est formidable. On a eu beaucoup de chance, je dis pourquoi. Ben, voilà, parce que dans tous les ans ou tous les deux ans, ils ont un cyclone qui emporte leur toit. Alors vous savez, ils sont fainéants, ces gens-là. Ils aiment mieux chanter, danser, pêcher, dormir, faire l'amour, que de reconstruire leur toit. C'est pour eux une catastrophe. Alors on dit, bah, écoutez, on va aller à la ville, on va prendre des briques, on va les ramener ici en camionnette, avec de la tôle ondulée, vous allez voir, quatre murs, une porte, une fenêtre, la tôle ondulée, des gros cailloux, votre cyclone ne peut toujours passer, vous garderez votre toit. Et il me dit, bien, croyez-le si vous voulez, à partir du moment où on a pu réaliser, alors effectivement, les gens de là-bas ont peint la tôle ondulée en jaune vif, en rouge vif, en bleu vif, ça fait des taches colorées qui ne sont pas laides. Mais enfin, c'est quand même la tôle ondulée avec un caillou dessus, puis une porte, une fenêtre. Puis on a retrouvé la bonne famille chrétienne, m'a dit Ludy, papa, maman, la bonne et moi. Parce qu'on a enclos l'espace dans une certaine façon, et à ce moment-là, ben, effectivement, les enfants qui savaient comment on faisait un enfant dès qu'un autre enfant, simplement, dès qu'ils avaient fait leur schéma corporel, hein, ça, dès qu'ils avaient pris réalisation qu'ils n'étaient pas dans leur... qu'ils étaient un monde différent d'eux, là, tout était caché, et on a retrouvé, effectivement, la bonne famille chrétienne. Et alors là, je me suis rendu compte que l'architecte et qu'un pouvoir, dans ce cas-là, celui du pasteur, pouvait transformer une société sans même qu'elle se rende compte. Donc, ce que j'écris dans l'école, dans l'homme et la ville, ça, pour moi, ça reste vrai pour moi. Mais j'y ajouterais qu'il y a possibilité de transformation par un pouvoir pratiquement occulte. Parce que ces gens-là ne savaient pas que, finalement, ne pas faire leur toit tous les ans et se laisser enfermer dans quatre murs avec une porte et une fenêtre, ça changeait complètement tout leur style de vie. Si bien que la tour Montparnasse, ça peut-être pas étrangère à la transformation du style de vie. Je dis ça comme ça. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur le sujet. Vous nous dites que la ville est ainsi faite et a priori elle n'est pas destinée à se transformer, de subir des bouleversements fondamentaux, mais il y a quand même différents types de régulation en tendance, etc. À mon avis, actuellement, la ville,
elle travaille en tendance, puisque au lieu de réguler négativement, c'est-à-dire de diminuer l'importance des facteurs qui la commandent, je le répète, les informations, les besoins et l'espace géoclimatique, elle augmente au contraire la valeur des facteurs. Elle oriente et augmente la valeur des informations, des besoins, elle les crée, de façon à ce que la structure de la société qui a construit la ville et qui l'a construit pour ça reste la même. Ça semble évident. Vous l'écrivez noir sur blanc, oui. la ville est conçue pour que les dominants qui l'ont créée restent dominants. Oui, on est bien forcé d'utiliser ce terme dominant qui nous vient de l'éthologie. L'étude du comportement animal. L'étude du comportement animal et humain, d'ailleurs. Bon. Je voudrais quand même être plus nuancé. Oui. Bien sûr qu'il y a des dominants et des dominés. Encore que, vous savez, tout le monde est dominant de quelqu'un et dominé par un autre. Bien, c'est beaucoup plus évident, cette séparation, cette distinction entre dominant et dominé dans des pays d'Amérique latine, par exemple. Vous avez très peu de monde qui possède tous les pouvoirs, l'argent, etc. Puis il y a des masses humaines qui, elles, n'ont rien. Les crêtes de faim qui résident du nord, du nord-est. Donc, là, c'est visible. Mais dans nos pays dits industrialisés, dits évolués, c'est une façon de parler, les échelles, les barreaux de l'échelle hiérarchique sont tellement nombreux que, je le répète, tout le monde est dominant de quelqu'un et dominé par d'autres. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde est dominé, surtout, dominants et dominés sont dominés par un système. C'est-à-dire la finalité de l'ensemble. Et tout à l'heure, vous m'avez mis sur la piste, maintenant nous le retrouvons. Une société marchande est entièrement dominée par le fait qu'elle a besoin de vendre. Les individus ont besoin de s'élever dans une échelle hiérarchique. Et comment peuvent-ils s'élever? Pour vendre les marchandises actuellement, il faut que ce soit des marchandises que les autres peuvent acheter. Donc, si vous voulez exporter en particulier, parce que c'est bien joli, mais si vous voulez gagner de l'argent, vendre des marchandises, les gens qui vivent dans l'Hexagone ne suffisent pas, vous êtes forcé de vendre à l'étranger. Établir une balance des paiements, surtout dans un pays comme la France, qui n'a ni matière première, ni énergie. Il faut bien qu'elle les achète. Pour faire des objets, il faut de la matière première et de l'énergie. Quand vous n'en avez pas, vous achetez ces matières premières et cette énergie à l'extérieur. Vous faites des produits, non pas manufacturés, mécano-facturés, et vous les revendez à ceux qui en veulent. Mais ceux qui en veulent, il faut qu'ils n'en fassent pas autant chez eux. Bien sûr, il faut que ça soit plus performant. Alors pour être plus performant, il faut qu'il y ait des machines plus sophistiquées, plus efficaces. Il faut que vous en produisiez plus, avec des moyens plus perfectionnés. Et ça, c'est pas le manœuvre. C'est pas le voyer spécialisé, ce sont des gens qui manipulent une information abstraite, faite de mathématiques et de physique, qui vont faire des machines, qui vont faire des objets que les autres ne font pas. Bien. Des technocrates. Comment ? Des technocrates. Des technocrates, bien sûr. Donc ils vont s'élever, eux, dans les salaires hiérarchiques, parce qu'ils sont plus besoin, ils sont plus indispensables à une société marchande. C'est évident. Il vaut mieux sortir de Polytechnique, j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux sortir de Polytechnique que de centrale que des arts et métiers, des études et métiers, d'une école technique, et d'une école technique que de l'école communale. Bon. Uniquement parce que vous manipulez une information plus abstraite et que ça vous permet de faire des marchandises plus efficaces, plus intéressantes, des armes plus efficaces, des produits. Les Japonais ont très bien compris ça depuis très longtemps. Ça n'a pas depuis très longtemps, mais ils s'y ont mis. Bien. Alors, soit dit en passant, j'ouvre quand même cette parenthèse, parce que quand vous êtes 55 millions d'habitants, vous n'avez pas la prétention d'inventer, et vous ne pouvez pas, de façon statistiquement significative, vous ne pouvez pas inventer autant que 230 millions d'individus de l'autre côté d'Atlantique, des abrutis, mais qui sont 230 millions, 400 millions de l'autre bord, en abrutis aussi, à la terre, mais ils sont 400 millions, et bientôt 1 milliard de petits Chinois. Bon, j'ai l'habitude de dire, pour me faire comprendre, que le laser n'aurait pas été inventé en République d'Andorre ou Liechtenstein, parce que simplement ils ne sont pas suffisamment nombreux. Donc, là, vous avez déjà une négation de l'État. Tant qu'il y a des États, ça ne peut pas marcher.
L'invité quotidien, donc, sur Radio Libertaire avec Henri Laborie. Quelques mots encore, Henri Laborie, sur cette notion d'État. Je dis quelques mots parce que je crois qu'au cours de ces 5 émissions, nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr. Oui, quand je dis que ce qui rentre trop, c'est l'État, l'État tel que nous l'avons fait, tel que nous le connaissons après des siècles et des millénaires de création. Mais dès qu'un groupe humain se constitue, il a besoin, avant d'être englobé par d'autres, qui vont être englobés par d'autres, il a besoin de ce qu'on appelle une culture. Et pour moi, si vous voulez, l'État devrait être la culture. Alors, je vous arrête et je vous provoque un petit peu. Je vais vous reciter, vous donner à culture la définition suivante, ensemble de préjugés et d'automatismes acquis spécifiques à un lieu commun, de lieux communs spécifiques à quelques nations, quelques groupements humains. Alors, oui, non mais là aussi. Mais voyez, j'ai si souvent répété que les mots sont extrêmement dangereux parce que l'on met dans les mots tout son apprentissage culturel justement et que le même mot, le mot chien ne mord pas, disait Korzybski. Mais finalement, si on a été mordu par un chien dans son enfance, si on met le pied dans une crotte de chien en sortant de sa bagnole. Ou si on est une vieille mémé qui a son tendre enfant, qui est son petit chien, qui est son dernier ami, on ne peut pas, quand on entend le mot chien, éprouver les mêmes sentiments. C'est quelque chose de... Donc, pour le mot de culture, pour le mot d'État, c'est la même chose. Et tous les mots sont piégés. Il faut bien s'en méfier. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur l'État. Vous êtes d'accord, Henri Laborie, la première finalité de l'État, c'est de se survivre lui-même. Non, si vous voulez, pour moi, l'État tel que nous le connaissons, c'est l'ensemble des institutions qui permettent de maintenir une structure sociale. C'est ça. Et actuellement, les institutions, finalement, elles sont toutes autour de la propriété privée. Dites-moi une loi qui ne soit pas en relation avec la propriété. Y compris les droits de l'homme, rappelons-le. Mais oui, bien sûr. Donc, effectivement... cette institutionnalisation dans des lois, des rapports sociaux, s'est fait au cours des siècles de telle façon que nous voyons des États dans lesquels certaines lois permettent des rapports généralisés entre tous les individus du même État, suivant des lois. Or, c'est ça qui est... Mais remarquez que c'est très curieux, je le dis d'autant plus, vous êtes breton, moi je suis vendéen, et je le dis souvent, on a quand même l'État. Personne n'est la parfait. Révolution française je vous en veux pas. Hein. Oui, non, mais ça dure. Non, mais la Révolution française avait 500 000 morts. 500 000 morts à l'époque où la France ne comportait 15 millions d'habitants pour faire adopter aux Vendéens la liberté, égalité, fraternité. Fraternité en particulier, c'est très joli. Et c'est donc actuellement, on ne le dit pas, en Alsace, il y a des rapports entre l'Alsace-Lorraine et l'État, parce que l'Alsace a été en compétition entre la France et l'Allemagne, un objet de compétition pendant des siècles, qui est différent pour des autres régions françaises. Les rabbins, les prêtres et les pasteurs sont payés par l'État d'Alsace. Mais chut, faut pas le répéter. Les lois d'assurance sociale sont différentes. Mais... personne ne s'en porte du mal. Quand on va à Strasbourg, on n'est pas pris par un mort de conscience. Hein, ça. Et c'est vrai. Bon. Et donc, il y a possibilité pour chaque groupe humain, dans un espace géoclimatique particulier, où il a créé une culture, de dire, comment il entend que, sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan sociologique, il peut échanger, comment il peut échanger avec l'ensemble qui l'englobe. Il ne peut pas vivre en autarcie. Alors, à propos d'échange, un auditeur fait remarquer, suite à vos propos sur la société marchande, cet auditeur pense, lui, que la croissance et la recherche de la croissance sont une absurdité. Il aimerait savoir si c'est votre avis. Et à l'heure, surtout, où tous les partis politiques nous rebattent les oreilles avec cette fameuse recherche de croissance. Je crois avoir dit tout à l'heure pourquoi... ça me semble effectivement très, très drôle. Je ne trouve pas d'autres mots, d'autres adjectifs.
Parce que pour croître, il faut produire plus. Pour produire plus, hein, il faut, comme je le disais tout à l'heure, des matières premières et de l'énergie que nous n'avons pas. Or, si nous l'importons, on est forcé de la payer. Et si nous voulons exporter et croître en exportant, il faut bien que on paie cette matière première et que on donne quelque chose aux autres en échange. C'est de l'information technique. Donc, il faudrait que tout le monde sorte de polytechnique. Ça me semble difficile, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, les mathématiques et la physique, et il y a une autre façon de vivre que de faire des mathématiques. C'est intéressant, j'assure. Non, mais ça, je ne discuterai pas. Il y a tous les goûts dans la nature. Mais d'autres personnes peuvent avoir d'autres envies de vivre et des envies de vivre autrement. Voilà. Donc, à ce moment-là, la croissance pour faire plus de bagnoles, pour faire encore plus de machines, d'objets, je vois pas très bien, ça me semble. Si, je ne voudrais pas, je n'ai pas du tout l'intention de retourner au paléolithique, ni même au début du néolithique. J'aime bien prendre mon bain chaud le matin, je n'ai pas besoin de grand-chose, j'ai besoin de papier, j'ai besoin d'écrire, d'avoir des bouquins, d'avoir... Non, oui, j'ai un bateau, d'accord. Non, je pensais à votre laboratoire. Ah, mon laboratoire, c'est parce que je suis dans une société marchande, justement, et que j'ai compris que pour me faire plaisir et faire ce que je voulais, il fallait que je donne à cette société marchande des pilules pour qu'elle les vende. Je n'ai jamais cherché une pilule, je n'ai pas essayé d'en trouver. Mais comme j'ai essayé de comprendre les mécanismes vivants, du vivant, quand j'ai cru comprendre un mécanisme, il est beaucoup plus simple d'imaginer une molécule qui va agir sur ce mécanisme. Alors on demande à l'organicien de la faire, puis si elle fait ce qu'on attend, ou si elle fait autre chose, nous aussi, ben on prend des brevets, puisque faut protéger la propriété. Ça, nous sommes dans un truc où la propriété, ça existe. Je pourrais vous expliquer une autre fois. Enfin, il nous vient le prétendu instinct de propriété qui n'est qu'une notion. Bon, la propriété, bien. Et finalement, ben, j'ai bien été forcé. Si je voulais avoir l'appareillage technique, si je voulais avoir la possibilité de me faire plaisir, et en plus... de faire plaisir à un certain nombre de gens qui, dans le laboratoire, n'ont aucune possibilité d'évolution hiérarchique. Bon, ils ne peuvent pas être passés de maître de recherche d'attaché de recherche à maître de recherche ou à directeur de recherche. Bon, tout le monde est pareil. Bien. Donc, si je voulais que nous fassions plaisir, il fallait que je me soumette à cette chose qu'est la société marchande. J'y peux rien. Comme tout à chacun, à peu près. Mais bien sûr, sans ça, j'allais dans une île du Pacifique Sud, très bien, mais je n'aurais pas eu d'appareillage sophistiqué qu'il me faut, ni les bibliothèques qu'il me fallait, ni etc., etc., etc. Je pense que cela n'échappe à personne, nous restons tout à fait dans le sujet l'homme et la ville, et l'on retrouve dans ce livre-là, comme dans les autres livres d'Henri Laborie, une interrogation, une fausse interrogation, mi-amusé, mi-agacé, comment se fait-il que tous ces gens-là, et vous visez principalement, je pense, les décideurs, comme l'on dit, comment se fait-il que tous ces gens-là continuent de décider, de commander, de régner et d'agir en méconnaissance totale des principes fondamentaux qui nous meuvent? Oui, mais alors ça, je ne sais pas. Il y en a quelques-uns que je connais, il y en a au moins que je connais bien, qui les connaît parce que on lui a fait des cours dans un groupe auquel il appartenait. Vous pouvez citer des noms? Oui, c'est Rocard. Rocard est aussi calé que... Enfin, c'est vraiment l'essentiel de la biologie comportementale. Ça, c'est parti d'un groupe, un type que j'aimais beaucoup, qui avait été créé par lui, d'ailleurs Robert Buron, qui est mort il y a quelques années. Et... comme là-dedans il y avait Edgar Morin, il y avait un certain nombre de gens de disciplines variées et qu'on n'arrive pas à se comprendre. Les sciences fondamentales se comprenaient, ils utilisaient le même langage, mais les sciences humaines ne le comprenaient pas, et l'homme politique, alors là, bien. Alors Robert Buron a demandé à ce que chacun de nous fasse des exposés sur ce qu'il pensait d'essentiel à dire concernant sa discipline. Donc, j'ai commencé par la biologie. Et... je sais que quand j'ai écrit par exemple la société informationnelle, que m'avait demandé la CFDT, en 72, j'étais très réticent à l'écrire, puis je l'ai écrit, quoi, après avoir accumulé un certain nombre de choses, avoir été en URSS d'ailleurs, avoir rencontré un physiologiste yougoslave qui était très...
très, comment dirais-je, autogestionnaires, mais qui me disaient on l'a loupé, on a essayé de comprendre l'un et l'autre pendant 8 jours en discutant le coup, pourquoi, et bon, et ça aboutit à la société informationnelle. Et Pillaudin a, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une émission de radio, m'avait invité, et j'ai, oui, et on invite à ce moment-là un collaborateur, si vous voulez, un type qui vous fait la contrepartie. J'avais demandé à Rocard de venir. Rocard m'a argumenté d'une façon absolument lumineuse, il avait lu le bouquin, il connaissait par cœur, enfin il le connaissait très bien du moins, il était tout annoté, et ça, mais c'est sans doute assez exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup. Seulement Rocard, il sait ça, et comment voulez-vous, comme moi je suis forcé de vendre des pilules, vous, d'avoir des dons pour avoir l'appareillage que vous avez pour émettre, comment voulez-vous qu'il fasse autrement que d'aller pas à pas, je vous disais tout à l'heure, on ne fait pas de prospective. Il sait très bien que ce qu'il veut, Rocard, il a à longue échéance, mais il ne peut pas immédiatement bouleverser toute l'équipe de la planète. Et en France, on est la France, 45 millions d'habitants, ou 55 millions d'habitants, et on n'est pas tout seul, etc. C'est ça le problème. Donc, pour résoudre quand même cette carence inouïe, somme toute, que proposez-vous, Henri Laborie? Vous avez bien... Vous en défendez, vous avez bien des trucs, des recettes à vous que vous aimeriez proposer. Non, je ne suis pas gourou, et je n'ai pas de message à transmettre, vous comprenez? Mon travail, si vous voulez, pour mon plaisir personnel, pour pouvoir agir plus efficacement, me sentir mieux dans ma peau, ne pas vieillir prématurément, ne pas tuer les autres parce qu'ils ne me pardonneraient pas, parce qu'effectivement, ils sont plus nombreux. Non. J'étais forcé de comprendre qui j'étais en étalant mes informations, mes sources d'informations sur des disciplines extrêmement variées. Et quand je suis arrivé au bout des disciplines dites biologiques, je me suis aperçu qu'elles étaient indispensables à la compréhension des disciplines dites humaines, psychologie, sociologie, économie et politique. Alors, je crois que c'est ce parcours qu'il faudrait faire, non seulement aux hommes politiques. Vous disiez tout à l'heure, et je l'ai dit effectivement, que les décideurs ne décident rien. Bien sûr, ils sont emprisonnés. Écoutez, ce livre, L'homme et la ville, a été écrit à la suite de 7 ans ou 3 ans, 4 ans de travail à Vincennes. Vous pouvez nous parler un peu de cette expérience? Vous avez créé une unité de valeur, comme on dit là-bas? Bon, ça veut dire que j'ai créé. On m'a demandé de créer. C'est les étudiants qui m'ont appelé à Bougeon, ont téléphoné. Puis ils m'ont dit, donc, on vient de lire Biologie et structure. Alors, on voudrait bien vous parler. Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Bon, c'était les étudiants qui étaient en train de créer le département d'urbanisme, d'ailleurs. En disant, il y a une chose qui nous inquiète, nous allons être appelés à construire des villes, à être des urbanistes ou des architectes, beaucoup d'entre eux. Après, il y a eu tout le monde, vraiment un peu de tout, mais au début, c'était surtout des gens des beaux-arts ou des écoles spéciales d'architecture. On va construire des villes pour l'homme et par l'homme, mais on ne sait pas qui est l'homme. Personne ne nous l'a dit. C'était cette interrogation même était déjà un progrès terrible. Oui, c'est pour ça que j'ai accepté. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Je l'ai fait avec Bernard Weber, puis ensuite Calvino, de gens avec lesquels je travaillais, de collaborateurs avec lesquels je travaillais. Et on a passé 7 ans assez heureux. Peut-être pas 6-7 ans à Vincennes. J'ai abandonné parce que finalement, ça s'est... Au début, ce qui était formidable à Vincennes, c'est que les gens, c'était pas, les diplômes n'étaient pas reconnus sur le plan national. Bon, les gens venaient pour le plaisir. Il n'y avait pas besoin ils de étaient bac. Mal dans la peau. Il y avait, ça allait du rose très léger au rouge vif. Hein, ça, il y avait tout. Il n'y avait pas beaucoup de petits, des petits réacs, comme on disait. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était. Mais les gens étaient quand même le marxiste le plus convaincu, le plus dogmatique, n'était pas certain que ce soit vraiment la réalité. Qu'il pouvait peut-être y avoir une autre conception du monde. Alors. Il venait là, c'était très interdisciplinaire au départ. Puis un beau jour, on a déclaré que Vincennes, les diplômes devenaient valables sur le plan national. Alors finalement, on a vu les petits... Alors au début, c'était une anarchie. Alors là, une anarchie, mais pas une anarchie. On avait le respect... La plus haute expression de l'ordre.
Le respect de la parole de l'autre. Jamais on interrompait quelqu'un en train de parler. Ou de temps en temps, bon, hein, ça dure depuis assez longtemps, bon. Hein. Mais personne n'était agressif envers celui qui avait pris la parole ou qui l'avait demandé, etc. Bien. Et puis un beau jour, donc, je vous dirai comment on a travaillé d'ailleurs. Et un beau jour, on a décidé que le diplôme était valable sur le plan national et on a vu arriver alors, à ce moment-là des gens qui voulaient un diplôme et qui s'asseyaient sur une chaise, écoutaient le gourou, prenaient des notes, et comme il fallait en plus un examen, enfin, il fallait un test de leur participation. Alors qu'ils vous revomissaient à la fin du semestre ce qu'ils avaient entendu, noté, annoté, etc. Bon. Et toute la créativité qu'il y avait au début à Vincennes, qui a été une part importante de ce livre, a disparu parce qu'il y avait un diplôme qui sanctionnait. J'ai vu des gens qui avaient... Il y avait des gens de 60, 65 ans, là, il y avait des gens de 25, il y avait des gens qui venaient de partout. J'ai vu un type qui était... Steward sur Air France qui se tapait Paris-New York, Paris-New York, Paris-New York le vendredi soir, il était là, vieux après, enfin, c'est décalage horaire, etc. J'ai vu des gens, une fille qui est une véritable anarchiste, alors qui s'appelle Françoise Lévy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Marx, qui a eu un certain succès de scandale d'ailleurs à l'époque, Marx petit bourgeois allemand. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle était marxiste, elle l'est encore d'ailleurs, parce que comme tout le monde est marxiste, comme on est freudien, comme on est tout, mais on ne va pas dire que c'est une statue, qu'on n'a plus la déboulonner, elle est bien là, et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Bon. Alors, elle a été voir ce qu'était la vie de Marx, elle a vu ce qu'il avait piqué à Hegel. Ce qu'il faisait à Sabonne. Elle a dit, c'est un petit bourgeois allemand en plus. Bon. Et elle l'a descendu en flèche avec alors une bibliographie terrible. J'ai eu des gars très bien là-dedans, je pourrais vous raconter des histoires à n'en plus finir sur Vincennes. Vous êtes anarchiste, vous, Henri Laborie? C'est une fausse question. Comment? Vous êtes anarchiste, vous? J'aime pas une étiquette. Vous savez, un jour, dans un dîner de gens très bien, il y a un monsieur qui a pris la parole avec moi, qu'on a discuté le coup, et puis quand on est passé à table, assis en face de moi, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai compris, vous êtes empirio-criticiste. Il m'a plus adressé la parole. C'était fini. Il m'avait taché une étiquette, donc c'était déjà plus d'intérêt, il savait ce que j'allais dire. Vous ne nous avez pas, à proprement parler, fait d'historique de la cité, de ses origines, la nécessité. C'est venu de quoi? C'est pas une lubie. Un très grand livre célèbre d'ailleurs, de Mumford. Là-dessus, sur l'origine de la cité. Alors ça, c'est si on ne... Alors là, voyez encore, il y a toute la dimension historique qui est essentielle. Bon, les premiers hommes, actuellement, commencent à savoir à peu près, pour très bien, enfin, nos paléontologistes, au cours des 30 dernières années en particulier, et grâce à des techniques très sophistiquées, là encore, ils ne pouvaient pas... Ça, le carbone 14 en particulier, et puis il y en a d'autres. Des stratigraphies, une chose extrêmement précise, nous ont apporté beaucoup de connaissances sur ces débuts de l'humanité. Bien alors, début c'est un chasseur, cueilleur, tout le monde sait ça. Ils se déplaçaient, ils n'étaient pas nombreux. Il n'y a pas de guerre, il fallait survivre. D'ailleurs, c'est très net. Il n'y a toujours pas de guerre quand il faut survivre. Chez les Esquimaux, on dit qu'ils sont gentils comme tout. Bah, bien sûr, s'ils ne tuent pas leur phoque tous les jours, et maintenant ils ont les rations K, mais ils n'ont plus de dents. Ils sont en train de crever de tuberculose. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est aussi, c'est l'apport de la ville et de la civilisation. Bien. Mais les pays aussi qui n'ont pas connu en dehors des sacrifices rituels, ça, bien sûr, les mythes pour se protéger des dieux, c'est les pays du Pacifique Sud où ils avaient tout. Ils n'avaient pas à effaucher aux voisins ce qu'ils n'avaient pas. Quand ils se battaient, c'était pour montrer aux femmes comment ils étaient costauds, comment l'homme était courageux. Mais dès qu'il y avait un blessé, on arrêtait. Il ne fallait pas quand même que ça... Bon. Alors c'était les Jeux Olympiques, si vous voulez, mais c'était pas autre chose. C'était pas de la guerre. Donc il n'y avait pas de guerre et on a retrouvé... Alors là, les paléontologistes sont très fermes là-dessus. Vous pouvez lire de plusieurs articles dans la recherche en particulier. Il y en a eu plusieurs. On ne retrouve pas, jusqu'au début du néolithique, d'os humains, d'ossements, puisque c'est là-dessus qu'on se base, qui est des lésions dues à des fractures, dues à des instruments contendants, à des armes. Vous avez des autres fractures parce que le type s'est cassé la figure, mais en dehors de ça, vous n'avez pas de fracture du crâne, etc. Bien.
Donc, jusqu'à 12 000 ans environ, c'est-à-dire l'époque où la dernière glaciation s'est terminée, c'est-à-dire la glaciation du Würm, et où l'homme s'est fixé au sol. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu des saisons qui sont apparues. On vivait dans Grelottet, on suivait le Rhin, à la limite des glaciers, dans la toundra que le Rhin aime. D'ailleurs, les gens qui sont les Lapons ont suivi le Rhin à travers toute l'Europe. Ils sont montés avec le Rhin parce que toute leur industrie était faite du bois du Rhin, des os de Rhin, etc. Bien. Les glaciers reculent et un climat que nous connaissons de pays tempéré apparaît. C'est-à-dire qu'il fait chaud l'été, puis froid l'hiver. Bien. Alors l'été, on est content, on se balade à poil, on cueille les fruits, les fleurs et les branches, comme dirait Verlaine. Et puis l'hiver, on se resserre la ceinture, il faut retourner à la chasse, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Alors il y a un certain nombre de gens, sans doute des femmes d'ailleurs, qui étant au foyer à la caverne, sont aperçus que quand on mettait une graine dans la terre, elle poussait. Ah bon, alors ils se sont dit, on va semer. Ils ont fait des céréales. C'est étonnant d'ailleurs que la femme serait à l'origine de l'agriculture et de la semence, du principe des semences. On n'est pas absolument sûr, mais enfin, il y a quand même tout le porte à croire pour des raisons bien simples. D'ailleurs, la preuve, c'est que la première, c'est qu'elle n'avait pas suivi son mari à la chasse, enceinte de 9 mois, avec une kyrielle de mômes derrière elle, parce qu'ils étaient forcés d'en faire beaucoup, il en mourait 9 sur 10. Bon, comme actuellement encore dans les pays sous-développés. Bien. Alors, elle restait au foyer, et c'était d'ailleurs elle qui entretenait la flamme. Il ne fallait pas qu'elle disparaisse, la flamme serait vraiment. Faire du feu avec des bouts de bois, vous savez, les frottant l'un contre l'autre, j'ai vu faire ça en Pacifique Sud, mais enfin, je ne sais pas, dans les pays tempérés, tellement commode, avoir un bras suffisamment sec, en particulier bien. Et d'ailleurs, c'était les déesses. Oui, mais les déesses de la fécondité, l'agriculture, et qui protègent le feu, sont des femmes. Ce sont des déesses, c'est les Vestales pour le feu, c'est Cérès, la déesse des moissons, etc. Puis ce sont elles sans doute qui ont vu qu'en prenant des petits animaux qui venaient d'être mis bas par leur mère, des petits loups par exemple, si on les prenait, qu'on les faisait boire un peu de lait, sans doute du lait de sainte femme, non pas de sainte femme, mais de sainte femme, bien. Ben, du fait qu'on a été gentil avec ce petit loup, il devenait un gentil chien, ce qui montre que l'agressivité des points incluses dans le cerveau du loup, on a fait des animaux domestiques, les taureaux, les bœufs, tout ça, c'est bon. Les vaches, hein, ça. Oui, ça, pour les bœufs, oui, d'accord. Mais il y a un truc. Oui. Donc il y a eu la création de l'agriculture et l'élevage. À ce moment-là, il ne fallait plus bouger, il n'y a plus besoin d'aller se promener pour aller faire la cueillette et aller chasser. On avait tout à sa disposition. Et pendant l'hiver, on se mettait les pieds au coin du feu, on avait sa réserve de grains, sa réserve de bétail sur pied, parce qu'on ne savait pas saler la viande encore. On ne la conservait pas, donc. On ne la conservait pas, donc il fallait avoir le bétail sur pied. Et dans ces premiers villages néolithiques, on a retrouvé les quantités d'os d'animaux domestiques. Et, oui, mais ça ne s'est pas passé partout de la même façon. Du moins, tous les groupes humains n'ont pas atteint brusquement cette étape de technicité. Il y en avait d'autres qui étaient encore à chasser, à pêcher, et puis à cueillir. Quand l'hiver, il n'y avait plus question de cueillette, il fallait chasser, pêcher. Puis vous voyez, à 30 km de là, j'ai fait la préface d'ailleurs d'un livre qui a été publié au CNRS par un préhistorien qui travaille dans le Languedoc, et qui a retrouvé ce que je dis avec des datations précises, à 30 ans d'âge, avec une erreur de 30 ans. Il y avait des groupes humains qui étaient encore à la porte de leur caverne. Et puis d'autres qui avaient déjà découvert l'agriculture et l'élevage. Alors les autres qui se serraient la ceinture, que la famille ne se représentait l'hiver, ils ont été dire non, on en veut, nous. Les autres qui ont dit ah non, c'est à nous. Comme cela est moderne. Pas d'instinct de propriété, naissance de la notion de propriété, c'est tout. Alors effectivement, dans une femme qui s'appelle, une préhistorienne qui s'appelle Gimberta, c'est qui avait fait un article en 78, je crois, dans la recherche que vous pouvez retrouver, mois de mars. Et qui montre que dans l'Est méditerranéen, ça s'est passé de la même façon. Les gens étaient parfaitement heureux, comme dans le Pacifique Sud. Il n'y avait pas de grade, il n'y avait pas d'hierarchie. Et finalement, il y a eu un commencement de spécialisation. Les gens qui faisaient les charrues, ou qui primitives,
ou qui faisaient les étoffes qui tissaient, etc. C'est pas ceux qui allaient labourer ou ceux qui récoltaient, etc. Donc il y a eu un commencement, ceux qui construisaient les maisons parce qu'ils se sont fixés au sol, il fallait qu'ils se couvrent. Alors ils ont fait des maisons, bon. Et il y a donc Caucase, il y avait des gens qui avaient inventé le cheval 4500 ans avant notre ère, mais puis ils n'avaient pas suffisamment de fourrage pour leurs chevaux qui se reproduit. Alors on a retrouvé les voies d'invasion d'ailleurs, ils sont venus coloniser ces gens-là. C'était encore des chasseurs, ils savaient encore utiliser les armes, les autres ont oublié, avaient oublié. On imagine quand même le temps de 10 000 ans environ à 6 000 ans, 4 000 ans. Vous vous rendez compte, l'ère chrétienne commence il y a 2 000 ans. Bon, 4 000 ans pendant lesquels il y a des gens qui ont vécu parfaitement peinards, sans se tuer, sans se martyriser, sans se torturer. Rousseau ? Non, c'est pas Rousseau, c'est pas le bon sauvage. Pas besoin de beau sauvage, là, c'est du bonhomme. Bonhomme, c'est la chanson de Brassens, d'ailleurs. Et ils sont venus coloniser. Alors, il y a eu le chef, les guerriers, et puis les artisans, les paysans, etc. Il y a eu déjà une stratification des classes sociales, des fonctions sociales et des hiérarchies, une hiérarchie qui est apparue. Basée autour de la propriété. Mais il y en a résulté, ça Mumford le décrit très bien, un bond démographique. Ils étaient mieux nourris, ils n'avaient plus de... Bon, tas de choses qui sont améliorées. Plus de crainte, plus d'angoisse du lendemain, plus, etc. Bien, alors, ils se sont multipliés beaucoup, et à ce moment-là, les espaces dans lesquels ils cultivaient ont été insuffisants. Alors, il a fallu aller en chercher ailleurs, le chef en tête, avec les guerriers, et on a été fauché. Les territoires des gens d'à côté, qui étaient aussi bien peinards jusque-là. Et c'est ça la croissance. Hein? C'est d'elle qu'est née la guerre. Et ça, je crois que tous les préhistoriens en sont bien persuadés. Alors, ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là. On a fait des quantités d'autres découvertes. Mais c'est là le début de la science, ce qu'on appelle la science de l'inanimé d'ailleurs, hein? Est née à partir de ce moment-là. Et encore que, vous savez, je voudrais dire ça encore, c'est que la science, elle naît avec l'homme. L'homme du paléolithique, il y a 750 000 ans, hein, quand il a découvert le feu et qu'il cassait ses cailloux. Bon, quand il rencontrait un mammouth, hein, ça, il se rendait bien compte qu'il ne faisait pas le poids. Alors il avait peur et il courait. Mais supposé qu'il soit tombé sur... C'est comme ça que ça a dû se passer, d'ailleurs, j'en suis pas sûr, mais enfin, on peut imaginer. De toute façon, c'est une hypothèse de travail, disons. Il tombait, il s'en taillait le genou sur un silex. Il dit, tiens, le silex est plus dur que mon genou. Et c'est le seul homme, c'est le seul animal du moins, qui ait pu associer, parce qu'il a un cerveau plutôt frontal, la capacité de réunir des expériences passées d'une façon originale, c'est le seul qui ait coupé des silex, qui ait taillé ses silex de mieux en mieux, de plus en plus coupant, de plus en plus fin, etc., biface, monoface, biface, etc., qui les a manchés au bout d'un bout de bois, qui était passé à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il a été voir ce qu'il faisait avec cet instrument, cet outil, cette arme. Il s'est rendu compte qu'il se défendait mieux sa vie, qu'il assurait mieux son alimentation. Bon. Et ça, c'est de la science. Après, on a fait la même chose, hypothèse de travail, expérimentation, avec la découverte de la voile, de la roue, c'est récent, la roue, du licol, 4000 ans. Et puis, ensuite, la machine à vapeur, etc. Quoi. Enfin, et la bombe atomique, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Alors, si la fixation au sol a été le départ des problèmes pour l'humanité, somme toute, lorsqu'est apparue, et très rapidement après sans doute, la monnaie, ce moyen d'échange, ce facteur commun... Pas très rapidement. Non. Bon, enfin, alors là, le début, c'est le mésolithique, le premier, 10 000 ans à 6 000 ans. Mais à partir de 6 000 ans, oui. C'est-à-dire que, bon, on sait bien que les Égyptiens, ils n'avaient pas suffisamment de bois pour faire leur vaisseau. Alors ils allaient chercher au Liban. Alors il fallait échanger. Bon, à ce moment-là, on échangeait avec les... Le Liban échangeait ses bois, ses cèdres, avec des grains qui venaient de la plaine du Nil, etc. La viande du Nil, etc. Et puis on s'est aperçu que transporter des bois, c'est très joli, mais quand on voulait échanger et transporter du vin, c'était peut-être plus simple, au fond, d'avoir quelque chose qui soit l'équivalent, et ça a été la naissance de la monnaie. Je pense que les Phéniciens, c'est-à-dire les Libanais finalement, ont eu un très grand rôle à jouer dans cette dispersion, cette généralisation des échanges, parce que chaque espace géoclimatique, et là nous retombons sur l'homme et la ville, chaque espace géoclimatique, vous ne ferez jamais de bananes, pousser des bananes chez les Esquimaux, vous ne ferez pas d'huile de phoque chez les Dakar. Bon. Alors,
À partir du moment où l'espace géoclimatique commande une production humaine, ben, si on veut bénéficier de la production de l'autre, il faut échanger. Et alors on échange avec les monnaies. Et à partir où ces monnaies sont un moyen d'échange, moi je veux bien, c'est pas grave. Mais tant qu'il n'y a pas les banques, c'est-à-dire la thésaurisation, le groupement de cette force argentifère, hein, ou argentière plutôt, qui permet de dominer ensuite et de dominer. Alors là, il y a eu tout ce que dit Marx d'ailleurs, qui est évident, mais enfin, maintenant ça l'est moins. Mais enfin, la possession grâce à cette monnaie des moyens de travail, des moyens d'échange et de travail, moyens de production et de travail. C'est singulièrement compliqué là. Vicié peut-être. Oui, c'est vrai, à l'époque où la vie Marx était vrai, il y avait le prolétariat qui avait sa force de travail, puis quelques individus qui avaient de l'argent et qui pouvaient posséder les moyens de production, les machines, les premières machines. Au début de la civilisation industrielle, c'était vrai. Et l'échange. Bon. Maintenant, je pense qu'un PDG n'a pas la propriété privée des moyens de production et d'échange. Personnellement, moi, je travaille avec des moyens de production, effectivement, des appareils assez sophistiqués et qui valent cher. Je n'ai pas la propriété et je les utilise. Donc, entre l'utilisation et la propriété du moyen de travail, c'est deux choses qui ont évolué justement depuis Marx, à mon avis. Oui, vous en arrivez à dire que le patron est aussi aliéné que l'ouvrier. Bah, il est aliéné à la production, au même mythe de la production. Alors, c'est très rigolo parce que je reviens à ce que disais tout à l'heure. Vous êtes dans un espace, l'hexagone. Augmentez la production. Si vous n'exportez pas, il faut bien que vous vendiez. Bon, mais si vous voulez vendre, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Il faut qu'ils achètent, il faut qu'ils aient des salaires suffisants. Plus vous produisez, plus vous augmentez les salaires. Et qu'est-ce que c'est que l'inflation si j'ai pas ça? Alors, je suis pas un grand économiste, vous savez, moi je n'ai jamais fait l'HEC, hein, mais j'ai fait des cours, mais il y a des choses qui me semblent tellement banales et évidentes que je ne comprends pas qu'on puisse encore les émettre, les émettre des opinions à ce sujet-là. Puisque nous en sommes pour cette première émission à l'homme et la ville, nous parler des structures de fonctionnement de la cité, je suppose qu'on retrouve des constantes. Moins peut-être par l'ordonnancement politique, qui est sensiblement le même et qu'on connaît tout de même un peu, que par ces constantes économiques. Je dirais biologique. Oui, enfin, la cité, qu'est-ce que vous entendez par la cité? Est-ce que c'est l'espace bâti ou les gens qui vivent dedans? C'est toujours la même chose. Hein? Si ce sont les gens qui vivent dedans, alors ça c'est la sociologie. Et c'est une sociologie qui pour moi commence avec l'étude du fonctionnement du cerveau humain. Ce que les sociologues s'y commencent à faire. Il y a eu une thèse remarquable, une très très belle thèse qui était passée en juin dernier à Aix-en-Provence, une thèse de science d'un enseignant de sociologie et anthropologue aussi, sur, d'ailleurs ça c'est rigolo, ça peut vous intéresser, une énorme thèse de 600 ou 700 pages avec 2000 références bibliographiques, les idées politiques d'un biologiste Henri Laborie. Ah. Et il a eu d'ailleurs félicitations, etc. Ça. Donc actuellement tout de même, un certain nombre de sociologues commencent à se dire, pour faire une société il faut des individus. Ces individus, ils ont un cerveau et c'est grâce à ce cerveau qu'ils rentrent en relation les uns avec les autres. Alors comment ça fonctionne? En dehors du blablabla du langage qui vous permet toujours de trouver une explication logique à vos comportements les plus triviaux et les plus idiots même. C'est un masque le langage. Hein? Oui, bien sûr, c'est un alibi. Remarquez que, là encore, vous avez aussi une autre thèse qui s'est passée récemment, j'ai fait partie du jury d'ailleurs, à la Sorbonne, d'un sociologue de Besançon qui s'appelle Bessette, sur la criminalité. Ça fait partie de la ville aussi. Bon, ça fait partie de la campagne aussi. Et Bessette montre que le langage a été, pour les individus, un moyen de diminuer la criminalité. Par exemple,
et ça c'est important à dire à Radio Libertaire, je pense, toutes les statistiques montrent que la criminalité, alors que c'est exactement l'inverse que les masses médias nous colportent, la criminalité a baissé des deux tiers dans les deux siècles derniers. Bien. Ça c'est une certitude, les statistiques sont là, on a des statistiques précises. Bien. Ce qui n'a pas baissé, c'est la délinquance. La propriété, cette sacro-sainte propriété, on va faucher la bagnole. Voilà, on va faucher la bagnole, on va faucher le radio qui est dans la bagnole, etc. Bien. Et c'est une hypothèse, bien sûr, mais enfin qui quand même montre que, et qui est appuyée sur des statistiques importantes, que les gens, les professions dans lesquelles il y a encore le plus de criminalité sont celles où les gens savent le moins bien parler. Parce que la parole est action. C'est-à-dire que quand je parle, qu'est-ce que je fais? Je prends un modèle qui est dans mon crâne, que j'ai établi, et je vous le communique pour transformer votre crâne, votre cerveau, de telle façon, bien sûr, que vous n'allez pas me casser la figure, mais vous allez être d'accord avec moi. J'essaie de vous convaincre. Au sens propre, c'est de l'information. C'est la mise en forme. Mise en forme de votre cerveau par mon langage. Bien. Alors, pendant que je vous parle, je ne vais pas vous tuer. Si je ne peux pas vous exprimer, parce que je ne sais même pas, je ne comprends pas, et puis je n'ai pas le moyen d'expression, alors là je vais devenir agressif et violent, et criminel. Mais ce même langage qui n'est qu'un moyen, qui est un moyen de communication, qui semble avoir été très important dans la baisse de cette criminalité depuis deux siècles, est aussi un moyen pour les États, alors, de trouver des alibis qui leur permettent de tuer, de faire des guerres, des génocides, des tortures. Il y a un alibi logique, c'est toujours pour la liberté en général, la fraternité, etc. On tue. Les États ont le droit de tuer. On fabrique des éthiques pour les individus, des lois pour les individus. Les États, les droits de l'homme et les États, vous me laisserez doucement rigoler. Hein, ça. Bah, dans l'article qui est paru il y a un mois, un article signé par vous dans Le Monde, paru il y a un mois sur la torture, qui vous a été commandé, je crois, par Amnesty International. Commandé, c'est pas une façon de parler, il ne commande rien, l'Allemand dit. Ils m'ont commandé dans un magasin, on va commander une tarte aux pommes, hein, mais là, ils ne m'ont pas demandé. Ah, les mots, comme disait Shakespeare. Eh bien, votre conclusion, vous n'y allez pas par quatre chemins. La torture, je vous caricature. C'est vrai, non. Je vous caricature un peu et à peine. La torture, c'est quasiment toujours l'État. Et oui. Qui en est à l'origine. Et puisqu'on veut lutter contre la torture, la solution est claire. Pour penser l'État. Je dis supprimer l'État. Enfin, en fait, repenser l'État. Il y aura toujours besoin, non pas de lois, ni de règles, mais d'imaginer un comportement par rapport aux autres. Bien, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, puisque toujours en référence à l'homme et la ville, c'est de s'en tenir un petit peu aux alibis de chaque émission, de l'utilisation qui est faite, ou qui a été faite, du langage, de l'information, par les tenants de la cité, les tenants, c'est-à-dire ceux qui décident, ceux qui commandent. Je crois que ce que j'ai dit en commençant, c'est-à-dire le chapitre de cybernétique, et dans lequel j'ai montré que les facteurs qui maintenaient la structure d'une société, la structure ça veut dire l'ensemble des relations qui existent entre les éléments d'un ensemble. Une société c'est un ensemble d'hommes. Il existe des relations entre ces hommes, l'ensemble de ces relations constitue la structure. Encore que la structure qui est un petit test, c'est toujours un sous-ensemble, une structure, on n'entend pas dans le détail. C'est ça, c'est l'ensemble des relations. Donc, pour maintenir cette structure, ça a l'air d'être finaliste de dire pour, mais tout se passe comme si, ça c'est beaucoup plus scientifique, ça est beaucoup plus sérieux. Tout se passe comme si. Le maintien de ces structures s'obtenait grâce à certains facteurs. Et j'ai cité ces facteurs. L'espace géoclimatique, les besoins, les informations. Bien. Et cette société, cet ensemble de relations, cette structure sociale, qui ne sera pas la même dans une civilisation tribale, dans une civilisation industrielle ou dans une civilisation marchande, va construire une cité de telle façon que cette cité, par sa forme, par les rapports
qu'elle va établir entre les individus. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce cloisonnement de l'espace entre le Pacifique Sud, à travers quatre murs, qui transformait une société. La société va reprendre, sans le savoir, en pleine inconscience de sa motivation, va faire une ville qui va maintenir, qui va contrôler les besoins, les informations et l'espace géoclimatique. Mais comme elle veut se maintenir dans sa structure, il faut donc qu'elle ait sur ces trois facteurs, trois groupes de facteurs, trois types de facteurs, une civilisation, une action, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs fort justement, une régulation en tendance, c'est-à-dire qu'elle augmente toujours et sans arrêt le nombre des informations, le nombre des besoins, le nombre de ce qu'on peut trouver dans l'espace géoclimatique. Voilà. Bien, mais tout le monde est innocent là-dedans ? Oui. Ou personne ? Non, je crois que si vous voulez, tout le monde est innocent parce que personne ne sait. Pour être responsable, il faut savoir. Et responsable, il faudrait être libre. Personne n'est libre. En plus, le PDG, aussi. On y reviendra, parce que si mais vous oui, affirmez non, ça sans développer. Non, si vous voulez, pour me faire comprendre, en général, je dis. Vous allez faire bondir. Le PDG et le. Je crois, comment appelle-t-on ça, le gars qui se trouve sur les bancs du métro, vous savez, le clochard. Ils ont tous les deux la liberté d'aller coucher sous les ponts. Il n'y a que le clochard qui en profite. Et oui, et c'est ça la liberté, bien sûr. Ouais. Et oui. Enfin, on en reparlera longuement de la liberté. Ça mérite quand même. L'égalité et la liberté, moi, ce sont deux. Ça mérite quand même d'être développé, oui. Oui. Donc, si vous voulez, effectivement, la ville contrôle ses besoins, ses informations, de telle façon que elle maintienne les rapports sociaux qui existent déjà. Alors, que reste-t-il à faire, l'homme imaginant, on n'en a pas encore parlé, mais on y arrivera aussi, l'homme imaginant, c'est celui qui essaie de se sortir de ses pulsions premières, de ses bas réflexes, dirons-nous, de dominance, de possession, etc. Que lui reste-t-il à faire pour ou transformer la société, sinon vivre avec non, elle. Je ne sais pas moi qu'il faut le demander. Moi, je ne tiens absolument pas à changer la société. Je peux rien. C'est l'ensemble des hommes de la planète qui peut le faire. Pas moi. Ni Chirac, que vous citiez tout à l'heure, ni Reagan, ni Brezhnev, ni Birman, il est mort. Mais enfin, oui. Non, mais c'est pas un homme. C'est pas le pire, il est mort. Mais oui, bien sûr. C'est enfin, pas le pire, comme on dit au Québec. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas à moi de le dire. Moi, j'essaie de comprendre, avec une information très vaste, très interdisciplinaire, très variée, avec la chance que mon métier m'est orienté vers ça, j'essaie de comprendre pourquoi nous en sommes là. Maintenant, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire pour en sortir. Je vous rassure, je vous demande pas une Bible selon Saint Laborie. Bien évidemment... Je ferai de moi comme. Parce qu'il en a une, il l'avoue. Non, mais tout de même, je lis vous, de temps en temps quand même, et vous avez raison sans doute, parfois vous stigmatisez certaines sortes d'hommes qui agissent, vous avez stigmatisé le dominant, le décideur, mais je vous retrouve toujours dans L'Homme et la Ville, page 95, vous dites évidemment ça m'a fait bondir, même si il y a du vrai, bien des anarchistes en sont encore au stade d'évolution de l'enfant de 2 ans, que l'on oblige à contrôler ses sphincters et que l'on prive, au moment où le besoin se fait sentir, du plaisir de déféquer ou d'uriner librement. De même que l'anarchiste le plus vitupérant à l'égard des hiérarchies sociales est inconsciemment, généralement, du fait que ce qu'il désire, c'est d'abord la liberté d'expression de ses pulsions. Alors, vous avez... Bon, non, mais je ne vous connaissais pas à ce moment-là. Ah, je n'avais pas encore pris contact avec vous. Je tiens à préciser qu'on retrouve, avec un sérieux qui est, disons, celui du professionnel, on retrouve un humour au long de vos livres. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant cela, je vous rassure, ça ne m'a pas... dirait René, René fait des films qui sont très drôles, on rit du début à la fin. Et moi, j'écris des livres qui sont extrêmement rigolos. Comment ça s'est passé pour vous, puisqu'on en est aux parenthèses et aux digressions, mais on reste forcément dans ce sujet-là. Comment ça s'est passé pour vous, mon oncle Amérique ? Oh, ben, ça m'a permis de connaître un homme que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est René.
Mais c'est un peu frustrant d'avoir en 30 minutes, de voir en 30 minutes résumer 30 ans de travail. Et puis en plus, vous voyez, ça m'a appris quelque chose, c'est les limites de l'audiovisuel. L'audiovisuel. Quoi ? Il y a des limites à l'audiovisuel ? Oh là là, énorme. Alors oui, vous riez. Il y a deux dimensions, d'accord, mais quand même. Tout ce qui est concept abstrait n'est pratiquement impossible à faire passer dans l'audiovisuel. Vous faites appel à l'affectivité, mais vous ne faites pas appel à la combinatoire, à l'associativité, etc. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs, quand il est venu me voir la première fois, René, je dis, c'est moi les tranches de vie, j'ai qu'à me balader dans le métro, j'en vois tous les jours, ça m'embête moi, les tranches de vie, je ne suis pas très cinéphile, je connaissais le film de René que j'admirais beaucoup, parce que justement il n'y avait pas de tranches de vie, et qu'il avait réussi extraordinairement, comme par exemple dans l'année dernière Marion Bad, à faire comprendre des choses qui étaient très abstraites. Alors il m'a dit, on peut pas se passer, c'est pas vraiment un vrai cinéma populaire, mais... Alors, on a dit que ce film était assez didactique, il était bon. N'empêche qu'il a eu quand même 2 millions de spectateurs en France, il a bien qu'on voit comment on attrape un ulcère d'estomac, il a fait attraper du ulcère d'estomac à beaucoup de mes contemporains. Ce qui... Les amis, au lieu de les libérer de l'inhibition de l'action, il les a mis en inhibition de l'action, ça. Mais aux États-Unis, il a pris remarquablement aussi, un peu partout. Quoi. Donc, j'ai été frustré, mais je ne regrette pas. Puis, j'étais très flatté narcissiquement qu'un homme comme René, que j'admirais déjà, des rares cinéastes, metteurs en scène que je connaissais, s'intéresse à ce que j'avais fait. Il a eu le tout mes bouquins et il a travaillé comme une brute. J'ai découvert aussi ce qu'est un grand cinéaste, c'est-à-dire c'est un gros travail. Il a eu cinq ans à faire ce film, il m'a lu, relu, il enregistrait quand je passais à la radio, à la télévision, il faisait passer le soir, etc. C'est curieux d'ailleurs, si vous permettez une remarque, comme dans l'année dernière à Marienbad, qui est quand même un film très 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 abstrait et qui n'est pas d'accès évident pour tout le monde, ça c'est sûr. On trouve dans Mon oncle d'Amérique des choses que je dirais presque grossières, qui ne sont pas de votre ressort mais du sien, comme les individus qui se trimballent avec des masques de rap, pour bien faire comprendre que ce sont pour faire le lien, etc. Oui, non, mais ça m'ennuie, ça. Personnellement, c'est René et ça m'ennuie parce qu'on a dit qu'il nous prend pour des rats, etc. Alors quand même, je pense que je suis à même, autant que beaucoup de mes contemporains, de savoir comment fonctionne un cerveau d'homme et un cerveau de rat. Donc, ça se faisait très surréaliste et ça l'amusait. Mais d'un autre côté, dans ce film, c'est des choses que les gens, justement, qui sont du René et qui les gens n'ont pas compris, ne peuvent pas comprendre, si on ne m'a pas lu d'ailleurs. Je prends l'exemple toujours de la dernière image de ce film, qui est une image fondamentale. Rappelez-la nous. C'est le Bronx qui est détruit, la ville détruite. Puis il y a un grand pan de mur avec un arbre peint sur ce mur. Et finalement, la caméra rétrécit jusqu'à la fin du film, et on ne voit plus qu'une pierre, enfin qu'une brique peinte, et à ce moment-là, on ne voit plus l'arbre. Il y avait deux choses, il y avait la photosynthèse, c'est-à-dire que dans un de mes livres, il y a aussi un monde détruit, puis il y a une fleur qui sort, mais il n'y a plus personne pour la voir. C'est l'origine de toute ce qu'on appelle la vie, c'est de toute la biosphère sur la planète, la photosynthèse. L'algue bleue. L'algue bleue. Et le fait de ne plus voir l'arbre, quand on voit la pierre, c'est tout le réductionnisme qui est critiqué. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous êtes spécialiste du caillou, là, et bien, vous en reconnaissez tout. Ce qui est autour, vous ne le voyez pas. Alors, Henri Laborie, des questions qui vous sont téléphonées. On nous précise, je ne vois pas personnellement ce à quoi cela fait référence, que vous avez été considéré comme le Pavlov français. Je voudrais bien, hein, enfin... Les expériences sur les animaux ne sont-elles pas des tortures, vous est-il demandé? Oui, alors ça c'est une question que je connais bien aussi. Je crois que les pires tortionnaires des animaux sont les amis des bêtes. Quand je me promène dans la rue et que je vois le monsieur bien sous tout rapport, tenant son chien en laisse, quand je le vois qui le libère dans un square
et que dès que le malheureux animal veut aller sentir le derrière d'un autre, si, en pensant qu'il peut-être il ne sera pas du même sexe, qu'il pourra assouvir sa libido, viens ici César qui lui dit, etc. Bon, oui, le malheureux. Ce sont eux, les amis des bêtes, qui leur font couper les couilles, je m'exprime peut-être un peu grossièrement, mais qui les châtrent. Les châtrent, parce que sont pas eux, sont des amis des bêtes, alors que la libido du chat qui lui a miaulé la nuit, qui pisse un peu partout, ça sent mauvais, faut mieux le châtrer. Mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident aussi de les faire piquer quand ils sont, parce qu'ils aiment les bêtes, quand ils sont un peu malades et qu'on ne peut pas les soigner, le vétérinaire ne peut pas les soigner correctement. Alors évidemment, je sais bien que toute cette industrie, on sait qu'il y a plus, je crois qu'il y a pratiquement plus de chiens et de chats à Paris qu'il y a actuellement d'habitants. Bon, mais quand on met son pied dans une crotte de chien dont sont complètement remplis les trottoirs, hein, c'est les amis des bêtes qui nous donnent ça. Bon, ces crottes de chiens sont pleines de parasites et c'est pas spécialement sain. D'autre part, je sais bien que ça fait marcher, fait fonctionner tout un commerce. Je ne parle pas même de celui qui vend les bêtes. Mais je parle de celui qui est fait pour ces bêtes. Les petits peignes, les shampoings, les brosses, etc. Tout, les parfums, etc. Bien. Et tout ça, ça fait travailler. Ça fait travailler un nombre important de gens. Et dans ce fait, si jamais on supprimait les amis des bêtes, ou si on leur faisait ce qu'ils font à leurs bêtes à eux, on leur coupait ce que je pense, ben évidemment il y aurait des quantités de gens au chômage, parce qu'il y aurait toute une industrie qui péricliterait. Bien. Mais je crois qu'il y a une chose auquel je leur soumets à ces amis des bêtes. Il y a des petits cimetières à chiens. À chiens, à animaux, il y a des cimetières. On vient mettre des fleurs sur leur tombe. Alors je pense qu'il faudrait quand même, c'est pas suffisant, il faudrait intenter auprès du Vatican une action. Une action qui demanderait quand même que certains d'entre eux soient canonisés. Parce que pour ce qui est du martyr, ça vraiment, hein, on n'en fait pas mieux que ces malheureuses bêtes. Et d'autre part, comme ils font aussi des miracles, parce que c'est grâce à eux que les troubles psychiatriques, les névrotiques de leur patron et leur patronne sont traités, eh bien, ils font des miracles. Tous les jours, ils évitent l'ulcère de l'estomac, l'hypertension artérielle, etc. Et ça, alors là, je pense qu'il faut faire quelque chose pour ces braves bêtes. Mais alors, je répondrai que, alors, plus simplement, que dans un laboratoire, comme le mien ou comme d'autres, en général, je ne sais pas si on existe même, il n'y a pas de torture d'animaux, parce que pour nous, la douleur, ça met toute l'expérimentation par terre. On peut venir tous les jours de la semaine dans mon labo ou dans un autre, jamais on n'entendra un cri d'animal. Jamais un animal attaché à une chaîne ne criera. On ne les entend pas. D'abord, dans un hôpital, ça serait ennuyeux. Les rats, évidemment, mais ils ne crient pas quoi que ça crie. Un lapin, ça fait beaucoup de bruit, si ça veut. Mais, en fait, le fait qu'ils crient parce qu'ils souffrent fiche par terre tout leur équilibre biologique. La douleur pour nous, si nous voulons l'étudier, alors dans ce cas-là, c'est autre chose, et nous n'avons pas besoin de les faire souffrir pour étudier la douleur. Alors, je pense que la torture des laboratoires, hein, c'est encore un de ces vieux schémas qu'on traîne, et qui font passer, qui détournent l'attention de l'ensemble du public sur ce que sont ces tortionnaires des bêtes que sont les amis des bêtes. Une autre question, est-ce que dans le Pacifique Sud, vous avez trouvé vraiment une société de type libertaire? Je ne sais pas ce que c'est qu'une société libertaire, mais difficile de répondre. Je vous donnerai quelques caractéristiques, si vous voulez, qui sont peut-être libertaires, ça se trouve. Alors, caractéristiques de ces populations, bien, je prends un exemple, parce qu'il se pose encore, même à l'administration française, pas tous les jours, mais presque, dans des îles comme Tahiti. Une femme a deux filles, elle accouche une troisième. À 2 kilomètres de là, il y a une femme qui a deux fils. Il vient le trouver, puis il lui dit, tu ne peux pas me la donner, bien sûr, prends-la. Il dit, parce qu'un enfant, on n'appartient pas à un couple, on ne sait pas qui est le père. Comment on ne sait pas qui est le père, étant donné que, bon, il y en a plusieurs sans doute, on sait bien qui a accouché l'enfant, mais il appartient à un groupe social, il n'appartient pas à papa-maman, ça c'est important à comprendre. Donc, je ne sais pas si c'est libertaire ou non, mais c'est une autre conception de la famille.
Et la famille, c'est pas la base de la société, ça peut être la base de la société depuis le néolithique, avec le phallus du mâle, le vagin de la femelle, hein. Mais le vagin et le phallus peuvent se concevoir dans leur utilisation autrement. Et ces civilisations l'avaient trouvé. C'est ce qui a d'ailleurs été leur malheur, parce que quand les premiers occupants, les premiers visiteurs sont arrivés, Scott, Petit Lutoir, etc., ils ont découvert un paradis terrestre, d'abord du point de vue géoclimatique, c'est le cas de le dire, puis des gens qui n'avaient pas la notion de propriété, qui n'avaient pas la notion d'agressivité, qui n'est pas qui. Et au lieu de les attendre avec des flèches et des arcs, on leur a mis des couronnes de fleurs autour du cou, on leur a dit, oui, les femmes, vous envoyez en voilà, etc. Bon, on a été gentils parce que, vous savez, parce que c'était être agressif et méchant. Alors, est-ce que c'est ça d'être libertaire? J'en sais rien. Mais c'est un autre type de conception de la vie que celle que nous avons, ça c'est sûr. J'allais presque oublier, Henri Laborie, la petite peau de banane maison. Et Dieu dans tout ça? Dieu dans la ville? Bien sûr, Dieu dans la ville, oui, bien sûr, l'homme et la ville, ou dans l'homme. Hein. Non, Dieu, écoutez, c'est encore, nous on parlait tout à l'heure des dangers des mots. Si vous... Pas de bouclier, vous pouvez avancer franchement. Oh là ! Oh mais alors ça, vous savez, vraiment, ça serait la première fois que je n'avance pas franchement. Hein, ça... Je pense que la conscience humaine, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, il y a sans doute mieux. Dans le cosmos, il y a peut-être mieux que la conscience humaine. Je pense, rien ne me prouve scientifiquement que ce cosmos lui-même n'est pas ce que nous appelons une conscience. Bon. Maintenant, ma cellule hépatique fait partie de ma conscience, puisqu'elle est dans mon organisme, donc j'en ai besoin. Bien. Mais elle ne participe pas au discours que nous tenons depuis 2 heures. Bien, donc j'ai des difficultés à croire que s'il y a une conscience cosmique, ce qui rien ne m'interdit de penser, je participe à cette conscience cosmique. C'est possible et toute une évolution même scientifique actuelle le pense. Les physiciens sont persuadés que l'électron ayant 15 milliards d'années, et qu'il y a baume, etc. Il y a tout un mouvement qui passe de la physique des particules au mysticisme le plus échevelé. Il y a un contact direct avec cette conscience cosmique. Bien. Moi, je ne peux rien dire, parce que mon boulot, il est beaucoup plus rétréci. Il va de la molécule à la société humaine, en passant par son histoire, les sociétés animales. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'abord, ça serait intéressant que ça soit une conscience cosmique, parce qu'il n'y aurait pas de temps et d'espace, puisqu'elle serait le temps et l'espace à la fois. Et puis, il n'y aurait pas de barbu tel qu'on nous l'a présenté. Ah non, ça serait du grand. Alors, appelez cette conscience cosmique Dieu, et admettez que cosmos soit quelque chose qui est très difficile, malgré les efforts les plus grands. Il est très difficile actuellement de concevoir comme du hasard. Où le hasard, c'est sans doute des lois que nous ne connaissons pas. Bien. Qui est une conscience cosmique, moi je l'appellerai Dieu, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout celle qu'on m'a appris, être Dieu. C'était pour ça que vous ne lui donneriez pas ce nom. Oui. Bon, je m'en fous. Ça suffit de s'entendre. Un mot n'a pas de signification en lui-même. Non, mais il a c'est une le contenu histoire. Sémantique du mot. Il a une histoire. Oui. Il a une histoire, ça c'est vrai. Oui. Alors vous voyez que ça ne me gêne pas. Si bien que quand j'ai un journaliste qui a écrit mes mémoires parce que j'ai refusé de le faire, qui a vu un certain nombre de gens, mes mémoires, c'est une façon de parler, qui est ma vie, mon histoire, non, la chimie de la découverte, c'est Fabrice Rouleau, il a écrit que j'étais athée, et, ou du moins agnostique. Enfin, je préfère agnostique qu'athée, parce que il n'est pas scientifique d'être athée. Scientifiquement, c'est pratiquement rien. Scientifiquement, on a très très peu de connaissances. Ce que nous croyons être les grands progrès de la science moderne, c'est tout petit. Et alors, oui. Une petite parenthèse, l'irrationnel n'est que ce qui n'est pas encore rationnel. Ah oui, bien sûr. C'est ce qui vous fait dire qu'être athée, ce n'est pas être scientifique. Voilà. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui est... On aurait dit qu'on aurait parlé de la télévision ou de la radio que vous utilisez là, il y a quelques années encore. Il est complètement fou. Les ondes hertziennes, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon. Alors, on ne peut pas nier, il faut surtout pas nier, il faut attendre. Alors, finalement, je n'attendrai pas suffisamment longtemps pour savoir. Et je pense que
il y aura pas qu'à mal de générations qui apparaîtront, qui disparaîtront, avant de savoir la fin du problème. Henri Laborie, merci. La prochaine émission, l'invité quotidien, abordera un autre de vos ouvrages, La Nouvelle Grille. Vous étiez à l'écoute de Radio Libertaire, la voix 100 mètres, 89,5 MHz. Pour tout contact, 145 rue Amelot, Paris 11e. Bonsoir.